Hey, salut les kikis, aujourd'hui nous allons changer un tube de Traxxas X-Max. Parce qu'il y a un abo qui m'a dit, je veux voir les vidéos d'intervention dans l'atelier de tout ce que tu as bousillé, s'il te plaît. Alors, on a tordu le tube là-dessus, il n'a pas subi qu'un seul choc, évidemment. Celui qui a été fatal, c'était par-dessus la butte, donc un saut de 2-3 mètres de haut au total, partant du sol. Mais ta butte fait 1m50, donc tu enlèves 1m50, donc tu voles qu'à au-dessus d'1m50, au-dessus du sol. Mais de l'autre côté, on est redescendu d'1m50. Donc on est tombé de 3 mètres, avec un engin de 10-11 kg, sur la jonction d'un trottoir. Une partie sur la route et le cul à côté. Ça lui a mis le reste, les roues avaient encore une vitesse de rotation assez élevée. Donc soit il est en tulipe, soit il est plié. C'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Démonter ton X-Max, tu as le choix. Tu peux démonter le tulle. Si tu démontes le tulle, il y a le câble du ventilo et moteur qu'il faudra enlever parce que le moteur part avec tout le chariot arrière. Okay. Si tu enlèves l'avant, ça va plus vite et il n'y a qu'une seule vis en plus devant. Même pas, parce qu'à l'arrière, il y en a 4 pour enlever au centre et devant, il n'y en a que 2. Tu enlèves donc la vis de la bellette de direction. C'est très simple, c'est pour ça que j'ai braqué les roues à fond. On va récupérer une coupelle, bouge pas. Ok. Donc, direction libérée. Tu as 4 vis au-dessus. Il faudrait que je te fasse vitesse réelle pour que tu vois la vitesse. Parce qu'avec l'explication, c'est un peu plus long. Hein. Une de chaque côté. Donc, on en est à 7 vis. Ce X-Max, au cas où, si vous demandez lequel c'est celui de Ambu Blanc, que j'avais acheté il y a un ou deux ans. Il tombe. Et par le dessous, tu n'as que ces deux vis-là du skid enlevées. À l'arrière, c'est pareil, il n'y a que les vis de l'extrémité. Voilà. Moi, j'ai encore l'éclairage. Tu peux constater aussi que les vis, là, on a mis des M5, elles sont en train de mourir. Mais on va attendre qu'elles sortent de là pour faire quelque chose. On a donc une prise à enlever pour la lumière, mais j'ai pas mis de prise là, là je l'ai coincé là. On va virer le pare-choc. Pourquoi t'as pas mis une prise au milieu, Mani? J'ai oublié. C'est sûr, hein, si t'as mis une vis, ça serait allé plus vite, Mani. Ouais, tout ça sert à rien. Mais il est couillon, lui. Le câble, il passe au milieu, Mani. Tétard. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Tu vois? On va tresser ça là. Au passage aussi, ces deux vis-là, je les mets toujours plus longues. Hein. Même si elles font une petite bosse là-dedans, même si elles dépassent, elles seront bouffées en moins de 2, t'inquiète pas. Tu as encore les deux vis à côté du vario. Donc nous avons deux vis en haut, deux vis en dessous, 4 sur la partie avant et 2 de côté. Donc une, je te fais le calcul tranquille, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e pour la direction. Et là, je n'ai rien oublié. C'est moins sûr. Si, c'est bon. Je vais bien enlever celle-là aussi. On devrait pouvoir le séparer en deux. Sauf si j'ai traversé avec une vis quelque part ailleurs. Où c'était pas prévu. Allez, sors de là. Tu vas me dire que je t'ai tellement ratatiné la tronche que... Voilà. C'est tout. Alors, on va reculer dessus. Comme j'ai le cadre qui traîne devant.
Ok. Voilà. Tu vois, il est pas mort. J'aurais pu enlever juste le skid plate inférieur, c'est ce que je fais d'habitude. Et le redresser. Pour le redresser, si tu tapes dessus, tu vas lui faire un méplat. Si tu coinces dans l'étau, tu vas l'écrabouiller aussi. Le mieux, c'est de passer quelque chose dedans, de ce diamètre-là, et d'aller le forcer droit. Il y a des méthodes utilisées en moto, par exemple, pour redresser une bosse dans un pôle échappement. Ils remplissent de flotte, ils mettent ça au congèle. Quand ça gèle, sur pression, la bosse sort, mais là, c'est pas une bosse, c'est plié. Et si on le fait bêtement comme ça, ça va foirer. Quand je fais ça sur le terrain, c'est coup de marteau dessus, juste pour pouvoir finir le run. Donc ce que nous on va faire, parce qu'on l'a déjà démonté, bah, c'est le changer au passage. Tu fais attention à ton cavalier qui est au bout. Là il est resté collé. Parce que moi j'aime bien mettre assez de graisse. Pour éviter qu'il se balade de trop. Ah, oh. Oh, le vilain. Il est déjà tombé. Bah, c'est bien que ça m'arrive, en fait, comme ça. Tu peux voir quand ça marche pas comme prévu. Qui est très bien aussi. Dans ce cas-là, nous allons virer le skid plate en dessous. J'arrive, je sais, tu vois rien. J'ai mis la caméra de l'autre sens pour te montrer un autre angle et c'est pas pratique. Ok. Tu vois où le tube a frotté? Regarde là aussi. Il y a tellement frotté. Regarde, on a fait fondre le plastoc ici. Alors, on va aller récupérer mon petit cavalier au fond. Je vois même plus. C'est quoi? Parce que j'ai fait le touillon, je crois que le cavalier est tombé dans le cache transmis. J'ai mis une prise devant ma nique, la lumière. Ouais, je confirme, le cavalier est plus là. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu vas me dire que je l'ai explosé complètement? Qu'est-ce que t'as fait? Mais enfin, il n'est même pas coincé là. Il est pas là. oui aussi. Bon, on va revenir rapidement au sujet principal. Donc la technique la plus simple, c'est de mettre ici un pantin imprimé en 3D qui a une portée de roulement au milieu. Ce tube, tu le coupes en deux. Et le cavalier maintenant qui allait se balader là au fond, ben, tu en rajoutes un au milieu, tout simplement. Ce qui fait que tu as deux petits bouts, il n'y a qu'une partie flex ici pour éviter ce genre de stress. Comme j'ai dit, moi c'est arrivé rarement quand même, mais là, tu vois, sur la même vidéo, on a fait deux d'affilée. Ça dépend des endroits où tu sautes. Comme tu as pu le voir, là on sautait, évidemment, on sait que c'est risqué parce qu'il y a le goudron de l'autre côté. On se dit toujours, ouais, appel contre appel, tu finis toujours par dérailler. Donc on va virer le cache. Donc tu vois, le nombre de vis se sont multipliés, hein, 11, 12, 13, plus 6, on a 19 vis. Parce que
J'ai pas fait gaffe. Si j'avais été soigneux, ça ne serait pas arrivé. Regarde. Le cavalier est là. Ça m'est arrivé une fois pour l'instant. Donc déglinguer. Il a pété et il était neuf. Souvenez-vous sur le X-Mas quand on avait fait les tests de motorisation. Et c'était super bizarre ça. Il y a sûrement un défaut dans la matière, quelque chose. Ouais, si tu veux, je vais enlever le petit bout de plastique, hein, mais on s'en fout. Cette bécane, elle va encore recevoir. De toute façon, c'est pas la peine d'en faire trop. N'est-ce pas? Ok, ça c'est dedans. Donc, tout ce que j'ai fait en plus là, tu peux te l'économiser si tu fais un petit peu gaffe. Ça va. Franchement, pas trop mal. Ok. Hop. On va mettre le skid pour éviter que ça se décroche le temps qu'on tourne la machine, parce que ça arrive vite, surtout quand tu fais n'importe quoi comme manie dans ton fer. Ok. Et tu vois que malgré qu'on papote, malgré qu'on ait perdu le petit trilili, malgré qu'on n'ait pas mis la petite prise qui va bien sur le câble, on n'est pas un temps de travail fou. Hein. Alors, j'aimerais que tous ceux qui ont eu des soucis de tube nous en parlent. Dans le cadre de la RC. Hein, si t'as d'autres soucis de tube, tu vas voir l'urologue, d'accord? Tu nous en parles pas. Et... qu'est-ce que vous avez fait? Parce que pareil, ça vous arrive rarement. Est-ce que vous avez fait le debout tube? Entre-temps, il existe plusieurs soluces qui sont devenues très coûteuses. On a des tubes télescopiques. Il y a Outracing qui fait un truc cher. Vitavon, c'est encore plus cher. Il y a des tubes renforcés. Différentes choses comme ça. Donc, quelle est la méthode vers laquelle vous vous êtes tourné? Pourquoi? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez changé? Est-ce que ça suffisait pas ou autre? Il nous en manque une. Est-ce qu'elle est restée dedans? Non. Donc, elle part sur l'établi. Nana. Nana. Bon, c'est pas grave, on en mettra une autre. Ok. Ah, le petit joint torique qui est tombé, regarde. Il vient de ma petite biellette là. J'ai une biellette option alu. Avec la rotule dans l'alu et il y a un joint torique devant et un derrière. Alors, celle avec l'origine Traxxas qui est avec le 2085X, hein, avec le filetage, elle est très bien. J'ai envie de tester d'autres solutions. Et je l'avais justement en main. Du coup, on a fait ça. Ok.
Ah, c'est normal qu'il en manque deux. C'est parce que la dernière fois, moi, j'avais mis des trop longues sur le ski d'en bas. Et là, on a remis la bonne taille. Il y a plein de vis aussi dans l'X-Max qui traversent de part en part. Donc, même si t'as foiré le filetage, à la limite, ça est trop court pour là. Même si t'as foiré le filetage, tu peux te mettre tranquillement de la vis plus longue. Et un écrou de l'autre côté. Bouge pas. Si tu bouges, je suis derrière toi, je te renverse. Alors, nous avons bien une, deux vis, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. On les a tous remontés. 13 et toutes les vis là. Bon, on est bon. Reste les deux petites vis du cache de transmis, bien évidemment. Que je vais remettre plus tard parce que. Non, c'est bon. Ah, je crois qu'on va laisser 21-54. Hein. Alors, quelqu'un a demandé aussi à cause du rapport transmis si c'est pas trop. Il faut se dire qu'on a laissé la couronne de 54. On a mis que 3 dents de plus sur le pignon. Donc, l'étagement, là, en fait, on. Si tu prends X-Max Full Origin et tu prends celui-là, tu mets à côté, je pense qu'il y a peut-être 2-3 km/h d'écart à peine. Le moteur est un peu plus balèze, il peut emmener ça sans problème. Vu que l'engin, c'est pas un missile non plus. Là, on l'a roulé avec les sledgehammer normaux, pour que vous voyez bien la différence avec les belted. Et normalement, le prochain coup, on va mettre les belted sur celui-là. Comme j'ai le moteur un peu plus costaud. Quoique, elles vont bien sur Philippe. Hein. Philippe, full stock, le machin. Hein, il n'est pas cassé, lui, c'est pas comme toi. Alors, on met sa petite moumouche. On remet le cache. On va laisser. Dans l'idéal, avant de sortir, ou avant de tout refermer, le mieux toujours à faire, c'est un rapide test. Tu mets des batteries. Et tu regardes en statique si tout va bien. Parce que là, on a roulé avec le tube défoncé, on a peut-être secoué quelque chose. Normalement pas, mais on sait jamais. Ça va vite, hein. Tu en profites pour faire hein, ce qu'il faut à ce niveau-là. Mais là, elles sont bien dedans, je vais les laisser. Je les changerai quand je ferai mon skid. Là, exemple, regarde, j'ai mis une vis plus longue, elle a traversé, c'est pas un problème. Il y en a pour qui c'est un drame. Moi, ça m'est complètement égal. Enfin, comme dit, j'ai des machines que je soigne. Et les machines, de toute façon, on sait qu'on va les expédier. Alors, on va pas chipoter parce que une vis qui dépasse d'un gauche ou à droite d'un petit millimètre. Hein. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à demain. On va continuer comme ça parce qu'on me l'a demandé de continuer tous ces trucs-là en atelier. Le XRT, je l'ai fait en loose D. Bon, ça va, un triangle, une chape. Et deux axes, ça c'est dans un short qui est normalement déjà sorti. Si vous l'avez loupé, vous avez un playlist short. J'ai expliqué ce que j'ai fait avec les axes sur le XRT. Le sledge, on a changé son triangle. Le Revo, il n'avait rien. Le TB7, j'ai mis le Vario Surpass à bord. Il est très probable que je t'ai déjà dit ça dans une autre vidéo d'atelier. Je sais que ça paraît proche pour certains d'entre vous, mais n'oubliez pas que j'ai 15 jours, 3 semaines d'avance de programmation et parfois dans cette programmation parce que j'ai décidé que ça ou ça, ça sortait tel jour, il y a encore un petit trou ou deux, donc j'interpose des vidéos. Donc là on a mis le Vario Surpass qui va avec le moteur Surpass, le crouton est en route, on doit sortir Michael, les engins Tombola qui vont sortir sont propres, nickel, et ouais, ça je crois que j'ai déjà dit, ça se trouve c'est hier, parce que 3 jours après j'ai programmé là. Et on a reçu un petit truc comme ça. Mais ça, alors attends, pas forcément ce dimanche, peut-être le dimanche d'après, ça dépend du programme. Hein ? Mani fait ce qu'il veut. Et là, la machine est prête, les batteries sont prêtes, Mani va se tailler rouler. Salut !